Nous allons reprendre nos travaux en nous intéressant à une période un peu plus récente que ces sites très anciens de la région de Casablanca et à ce que l'on appelle en Afrique le Middle Stone Age et aux hommes qui l'ont fabriqué. Et cette question du Middle Stone Age en Afrique, qui va être développée par mon collègue Shannon McFerron à la suite de ma présentation, c'est une question qui est très liée à la question de l'apparition de notre espèce, d'Homo sapiens. C'est une période pendant laquelle on voit des modifications du comportement qui sont très importantes, qui sont assez rapide par rapport à ce qui s'est passé auparavant, et puis aussi où on voit une différenciation régionale. Donc moi, je vais vous parler de l'aspect plus strictement biologique de cette affaire-là. Voilà une présentation des différents groupes d'hominines fossiles qu'on connaît depuis 7 millions d'années. Alors, c'est une image que ceux d'entre vous qui suivent mes cours ici au Collège de France ont vu déjà de nombreuses fois. En fait, ça n'est jamais tout à fait la même, parce que à peu près tous les ans, je rajoute une barre nouvelle avec une nouvelle espèce, un nouveau nom, où on modifie la position d'une de ces barres. Ça n'est pas vraiment un arbre, hein. Vous voyez qu'il n'y a pas de lien entre toutes ces branches, mais ça vous donne une idée de la diversité de ces hominines, qui sont très nombreux, hein. On en a maintenant identifié plus d'une trentaine. Alors on peut discuter pour savoir si ce qu'ils représentent sont des espèces biologiques au sens de Maier ou si c'est autre chose. Je ne vais pas rentrer dans ces débats-là. Mais ce que je voulais simplement souligner, c'est qu'aujourd'hui, il ne reste qu'une seule de ces espèces-là. Et c'est une situation qui nous paraît absolument normale. Donc il y a une seule forme humaine qui peuple toute la planète. Notre espèce est une espèce qui est très homogène parce qu'elle a une origine, enfin tous les hommes actuels ont une origine commune assez récente, géologiquement parlant, et disons que les différences qu'on observe d'une région à l'autre du monde sont des différences assez cosmétiques. Et en fait, quand on remonte dans le passé, ça n'a jamais été comme ça. C'est-à-dire qu'on a toujours eu sur Terre plusieurs groupes d'hominines assez différents les uns des autres, dans différents continents, parfois dans les mêmes régions. Et quand je dis assez différents, encore une fois, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans le débat de savoir ce que représentent ces différences, mais simplement, ce sont des différences qui sont d'un ordre de grandeur complètement différent des différences qu'on peut observer entre des populations actuelles. Et beaucoup de mes collègues pensent qu'on est fondé à utiliser une terminologie linéenne pour donner des noms d'espèces à tous ces groupes. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a une seule espèce sur Terre? C'est une question, enfin, pour ma part, que je trouve une des questions les plus importantes de la paléanthropologie. Je pense que il se passe quelque chose avec notre espèce qui fait qu'elle est assez, délétère pour les autres espèces, et pas seulement pour les espèces d'hominines, d'ailleurs. Et disons qu'à partir d'un certain moment dans l'évolution de notre espèce, elle a eu tendance à non seulement à se répandre partout dans le monde, mais aussi à avoir un impact très fort sur les faunes en général et sur les autres hominines en particulier. Alors, si on zoome un petit peu à l'intérieur de cet arbre, on a une figure comme celle-là, un petit peu en Y, qui est la figure, je dirais, classique que vous trouverez dans beaucoup d'ouvrages ou beaucoup d'articles qui montrent cette diversification des hominines récents pendant une période qu'on appelle le Pléistocène moyen, disons entre à peu près 800 000 ans et 130 000 ans avant le présent, et avec une différenciation entre... d'abord, un ancêtre commun qu'on a longtemps considéré comme devant être appelé Homo heidelbergensis, parfois Homo rhodesiensis pour ses formes africaines. C'est un ancêtre commun qui, comme ses descendants, est une forme à grand cerveau,
mais qui a conservé beaucoup de caractères primitifs et qui est connue à la fois en Eurasie et en Afrique. Et classiquement, mais je vais revenir sur ce point un petit peu plus tard dans mon exposé, classiquement, on le considère comme l'ancêtre commun d'une branche eurasiatique qui est essentiellement connue par les Néandertaliens dans l'ouest de l'Eurasie et par un groupe qui a été plus récemment découvert qu'on appelle les Denisoviens dans l'est de l'Eurasie, et puis une branche africaine qui est à l'origine des hommes actuels, donc l'Homo sapiens. Alors, à côté de ces formes à grand cerveau, eh bien, on a des formes plus primitives, plus anciennes, qui persistent dans certaines régions du monde, en particulier en Asie, des Homo erectus, puis hors dans les îles, des formes comme l'homme de Flores, dont vous avez sûrement entendu parler. Donc ça, c'est une image assez classique, mais c'est celle que j'ai présentée longtemps dans mes cours, ici ou ailleurs, mais qui est actuellement de plus en plus remise en cause, et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Alors, on pense que cette diversification, elle est liée à la géographie, bien sûr. On a ici une séparation géographique entre des formes eurasiatiques et des formes africaines, mais aussi à des changements environnementaux qui sont assez, je dirais, brutaux au cours, disons, des derniers 600 000 ans ou 800 000 ans, avec en particulier une amplitude très très grande des changements climatiques à l'échelle planétaire, mais c'est particulièrement spectaculaire dans les latitudes moyennes, des conditions climatiques. Et ça résulte probablement dans des modifications démographiques importantes pour les hominines, des nécessités de s'adapter à des conditions nouvelles, et peut-être que c'est l'explication pour cette grande diversité de formes qu'on connaît pendant cette période-là. Alors donc, on va s'intéresser à cette branche africaine. Et donc, la première question qui se pose, c'est, dans le fond, pourquoi est-ce qu'on a attribué au continent africain l'origine de notre espèce ? En fait, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est bien accepté par tout le monde, mais qui, dans le fond, il y a 30 ans, 40 ans, n'était pas si évident que ça. Il y a eu d'autres modèles qui étaient en faveur à l'époque. Alors d'abord, on a reconnu cette origine africaine de l'homme sur des arguments paléontologiques. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on a découvert en Afrique des formes qui ne sont pas identiques aux hommes actuels, mais en tout cas qui sont proches des hommes actuels et qui ont des âges assez anciens, en tout cas des âges plus anciens que tout ce qu'on connaît en dehors d'Afrique et qui peut être rapproché de l'homme actuel. Et ces découvertes remontent à assez longtemps. À la fin des années 70, un de mes collègues de l'université de Hambourg, qui s'appelle Günther Breuer, avait déjà proposé dans plusieurs articles cette idée qu'il y avait une origine africaine des hommes qu'il appelait modernes. Et cette reconnaissance de fossiles d'Homo sapiens en Afrique s'est combinée avec des avancées de la génétique à partir des années 80 qui ont fortement confirmé, soutenu ce modèle-là. Je ne vais pas vous faire un cours de génétique des populations, mais disons qu'on s'est rendu compte que quand on étudiait l'ADN de différents groupes actuels, on se rendait compte qu'il y avait une plus grande diversité en Afrique qu'en dehors de l'Afrique, et que la meilleure explication qu'on avait à cet état de fait, c'était que, en fait, les formes non africaines étaient une branche sortie d'Afrique. Alors, je vous donne ici un exemple. C'est l'exemple de l'ADN mitochondrial. Cet ADN, c'est un ADN, c'est une toute petite partie de notre ADN qui n'est pas contenue dans les chromosomes, mais dans le cytoplasme des cellules. Et c'est un ADN un peu particulier. Il est transmis uniquement ou presque uniquement par les mères à leur descendance. Et surtout, il ne se recombine pas à chaque génération. Et donc, on peut assez facilement analyser son évolution.
Et donc, quand on a commencé à être capable de séquencer de l'ADN mitochondrial, eh bien, on a trouvé des arbres de ce genre-là, c'est-à-dire tout ce qui est en vert ici sont des populations africaines, donc sont des lignées maternelles africaines. Et vous voyez que les populations, les lignées qui sont des lignées non africaines, eh bien, sont toutes issues d'une branche africaine qui semble sortie d'Afrique, si je peux dire. Et cette observation qui a été faite sur l'ADN mitochondrial, eh bien, on l'a retrouvée avec l'ADN du chromosome Y, qui lui est transmis que par les hommes, donc ce n'était pas seulement une histoire de femme. Et quand on a été capable de séquencer l'ADN nucléaire, ben, on a confirmé cette observation de l'origine africaine de toutes les populations actuelles. Il y a de nombreuses observations qui sont venues confirmer ça. Par exemple, le fait que la diversité génétique des populations actuelles se réduit de plus en plus quand on sort d'Afrique et directement en proportion de la distance qui sépare par voie terrestre une région du globe de l'Afrique. Donc ça, c'est quelque chose qui correspond bien à ce qu'on attend si on a des petits groupes humains qui sortent d'Afrique et qui se dispersent dans le monde. Il y a une succession d'effets fondateurs, c'est comme ça que les généticiens appellent ça, qui se traduisent par une perte de diversité. Et donc, quand on va dans les îles du Pacifique ou au fin fond de l'Amérique du Sud, on trouve des populations qui ont moins de diversité génétique que proches de l'Afrique. Alors, ces observations, elles ont en fait mis en pièce, si je peux dire, un modèle qui était un modèle prévalent au milieu du XXe siècle et qui était un modèle qu'on appelle toujours d'ailleurs multirégional et qui prônait que chaque population actuelle avait des origines locales dans des formes archaïques, des Homo erectus locaux. Alors, voilà, l'idée, c'était que les aborigènes australiens descendaient directement des Homo erectus de Java, que les habitants de Pékin descendaient directement des Homo erectus de Chine, et que les Européens actuels descendaient d'une forme de néandertaliens européens ou du Proche-Orient. Donc ce modèle-là, qui est encore défendu par quelques chercheurs, a été quasiment complètement abandonné. Il a connu une espèce de regain d'intérêt quand on s'est rendu compte que ces populations actuelles qu'on trouve en Europe, en Chine ou ailleurs, eh bien, portaient dans leur génome un petit peu d'ADN de populations archaïques locales, comme par exemple les Néandertaliens en Europe. Donc vous et moi, nous avons un tout petit peu d'ADN néandertalien dans nos chromosomes. Et donc les supporters du multirégionalisme ont dit, bah, vous voyez, on l'avait dit, c'est une origine. Bon, là, c'est un petit peu une présentation, je dirais, tendancieuse de la réalité, parce qu'en fait, cette proportion d'ADN, elle est de quelques pourcents. Et sans d'ailleurs qu'on sache très bien jusqu'à quel point ça a une importance dans notre phénotype, dans nos caractères, peut-être que ça n'est pas aussi important que quelques pourcents, c'est peut-être beaucoup moins que ça en termes de caractères codés par l'ADN. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, les données de la paléogénétique et de la génétique sont quand même en faveur d'un modèle de remplacement des populations archaïques par des populations d'Homo sapiens d'origine africaine, avec un tout petit peu de contribution des populations archaïques locales. Donc c'est un modèle de remplacement avec des fuites. Voilà, c'est, je pense, comme ça qu'on peut le mieux exprimer ce modèle. Alors en Afrique, les crânes que je vous ai montrés tout à l'heure viennent tous d'Afrique de l'Est, donc on revient à cette discussion qu'on a eue plus tôt ce matin. Donc il y avait un poids très important du matériel sud-africain. Et l'idée qui prévalait jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'est que en fait, notre espèce était apparue il y a environ 200 000 ans en Afrique de l'Est, c'était l'âge des plus anciens de ces crânes-là, et que cette apparition était une apparition assez
rapide, brutale, si vous voulez, hein, une espèce d'émergence adamique de l'Homo sapiens. Et c'est un modèle qui, depuis quelques années, et en particulier depuis nos travaux au Maroc, a été totalement remis en cause. Alors, je vais vous emmener voir ce site de Jebel Irhoud dont il a déjà été question. Donc là, on est sur le Jebel Irhoud, donc c'est une grosse colline ici qui fait face très loin à l'horizon à l'Atlas et à ses sommets enneigés. Vous voyez, c'est la fin de l'hiver, il fait vert, si je peux dire. Il y a de la végétation, ce n'est pas toujours le cas. Nous nous trouvons entre Marrakech et Safi, un peu plus près de Safi que de Marrakech. Et cette grotte de Jebel Irhoud, mon collègue Mac Ferron va vous parler plus en détail de ce qu'elle recèle en termes d'archéologie et pour ce qui est de sa datation. Mais c'est une grotte qui est connue depuis les années 60 parce qu'elle a été en fait éventrée par l'exploitation d'une mine de barytine. Et l'exploitation de cette mine de barytine a en fait en grande partie détruit le gisement, d'abord pour commencer, mais a donné lieu à des découvertes de silex taillé, de faune, et puis de restes humains. Voilà le premier crâne qui a été découvert à Jebel Irhoud au début des années 60, avec une lettre que m'avait envoyée le docteur Boudard, qui était le docteur de la mine, qui a été celui qui a recueilli ce crâne après qu'il ait été découvert par les ouvriers de la mine. Alors, ces fossiles de Jebel Irhoud, dans le fond, on avait un peu de mal à les intégrer dans l'idée qu'on se faisait de l'évolution de notre espèce en Afrique, essentiellement à cause des incertitudes sur leur âge. Hein. Et on a trouvé, après ce crâne, d'autres fossiles, un autre crâne, une mandibule, quelques restes. L'idée générale, c'est que ces crânes avaient un âge peut-être un peu au-delà de 50 000 ans, quelque chose comme ça. Alors, il y a eu des datations, des essais de datation dont on va vous parler tout à l'heure, qui n'étaient pas très fiables, si je peux dire. Mais c'était des crânes qui apparaissaient comme assez primitifs comparés à ceux qu'on connaissait en Europe de l'Est. Excusez-moi, en Afrique de l'Est. Et donc, l'idée, c'était qu'on avait en Afrique de l'Est un jardin d'Éden, en quelque sorte, dans lequel notre espèce s'était développée, alors qu'ailleurs en Afrique, et en Afrique du Nord en particulier, eh bien persistait dans un cul-de-sac géographique des formes plus archaïques. Donc ça, c'était le modèle dominant. Alors nous avons repris des travaux dans le site en 2004. Heureusement, il restait dans une partie de cette... Alors le toit de la grotte avait été enlevé par le premier des fouilleurs qui a travaillé dans le site, le professeur Enouchi, enlevé à l'explosif. Hein, donc ça a contribué, je pense, en partie à la, j'allais dire, à la mauvaise conservation d'une partie du site, on va dire ça comme ça. Mais heureusement, donc, on a pu travailler sur une partie du site qui était encore en place et trouver une stratigraphie dans laquelle on a recueilli une nouvelle série de restes humains. Et cette nouvelle série de restes humains, elle est concentrée dans des niveaux qui sont à la base de cette coupe d'à peu près 3 mètres d'épaisseur. Vous voyez, tous ces points rouges, là, ici, ce sont des restes humains qui ont été découverts dans le site. Alors, ces restes représentent un nombre d'individus assez conséquent, avec un nombre de spécimens qui a fait tripler l'effectif de ce que l'on avait à Jebel Irhoud. Donc, on a découvert un nouveau crâne, une nouvelle face associée, une mandibule, de nombreux restes post-crâniens, des restes dentaires aussi,
Et puis, surtout, ces restes étaient extrêmement bien conservés. Voilà une image de cette mandibule que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est pour cette période en Afrique le fossile qui est le plus complet, le mieux conservé, et qui a permis donc d'étudier toute un, comment dire, une série de caractères. Alors, sans rentrer trop dans les détails, la datation des niveaux qui contiennent ces restes humains, c'est une datation qui a été établie grâce à deux méthodes différentes, la thermoluminescence et l'ESR, et c'est une date qui est autour de 300 000 ans, donc beaucoup plus ancienne que ce que l'on croyait jusqu'alors. Et donc, le fait de replacer beaucoup plus en arrière dans le temps ces restes de Jebel Irhoud, ça a permis de les réinterpréter de façon complètement différente. Parce qu'à ce moment-là, le fait qu'ils soient plus primitifs que les Homo sapiens anciens qu'on connaissait en Afrique de l'Est, eh bien, prenait tout son sens, simplement parce qu'ils étaient plus anciens que ces formes est-africaines, et on n'avait pas besoin d'imaginer une séparation régionale qui aurait donné naissance à des Homo sapiens plus vite en Afrique de l'Est qu'en Afrique du Nord. Alors, les caractères de ces fossiles sont des caractères qui sont assez intéressants, parce que, d'un côté, ils présentent des caractères dérivés qui les rapprochent des hommes actuels, par exemple des caractères dentaires ou des caractères de la mandibule que je vous ai montré tout à l'heure. La face de ces spécimens, c'est une face qui est très proche de la face des hommes actuels. Ce que vous avez là, ici, c'est une analyse en composante principale de la morphométrie de cette face. En gros, la position de ces points dans un espace à deux dimensions représente leur proximité morphologique. Donc, ce gros polygone bleu, ce sont des faces d'hommes actuels. Ce que vous avez ici en rouge et en jaune, ce sont des hommes du Pléistocène moyen, donc ces fameux Homo heidelbergensis, et puis des formes des Néandertaliens qui sont représentées en rouge. Et donc toutes ces étoiles roses, ce sont soit des hommes de Jebel Irhoud, soit des reconstitutions possibles d'une des faces de Jebel Irhoud. Vous voyez que même en essayant de bricoler la face dans une direction extrême, eh bien, on tombe toujours dans la distribution des faces actuelles. Alors, soit dit en passant, la face des hommes actuels, en fait, même si on l'appelle moderne, puisque c'est celle qu'on observe chez les hommes actuels, c'est une face, en fait, qui conserve beaucoup de caractères primitifs. En fait, elle n'est pas si éloignée que ça des faces d'Homo erectus, par exemple. Et de ce point de vue-là, les Néandertaliens ou nos fameux Homo heidelbergensis / rhodesiensis, eh bien, sont beaucoup plus dérivés, beaucoup plus éloignés de la forme primitive que ce que l'on trouve chez les hommes actuels. Alors, quand on regarde non plus la face, mais la boîte crânienne, l'endocrâne, on trouve une situation sensiblement différente, en tout cas en ce qui concerne les hommes de Jebel Irhoud qui sont là. Vous voyez qu'ils sont dans une position intermédiaire entre ces Homo erectus, donc qui représentent la forme primitive de l'encéphale, et puis des formes actuelles, toujours en bleu, et toujours nos Néandertaliens et nos Homo rhodesiensis, ici, dans ce triangle. Alors, on a toute une série de formes en Afrique qui s'organisent entre les formes les plus primitives, si je peux dire, de Jebel Irhoud, et puis les hommes actuels. Et ce sont tous ces fossiles qu'on connaît en Afrique de l'Est, ou même dans du paléolithique supérieur ancien ou du paléolithique moyen au Proche-Orient, et qui représentent des formes anciennes d'Homo sapiens. Donc, vous voyez que si on a une face qui est très proche de la face des hommes actuels, on a un endocrâne, un encéphale, qui, lui, est beaucoup plus primitif, qui a conservé une forme allongée, plutôt basse, qui est quelque chose qu'on a vu disparaître chez les formes les plus récentes de notre espèce. À nouveau, les Néandertaliens
et nos homo heidelbergensis sont dans une position qui n'est pas une position primitive. Hein, c'est une position qui est une position dérivée par rapport à ce qu'on observe chez les Homo erectus, mais dérivée dans un sens qui est différent de celui des hommes actuels. Donc tous ces arguments nous font voir ces hommes de Jebel Erhoud comme une forme très primitive de notre espèce, qu'on ne peut pas encore appeler moderne, puisqu'elle n'est pas absolument identique à ce qu'on a aujourd'hui, et qui donc retient des caractères primitifs de l'encéphale, mais à une face plutôt similaire à celle qu'on observe chez les hommes d'aujourd'hui. Alors, ces observations nous amènent à réviser un certain nombre d'idées, en particulier en ce qui concerne Homo heidelbergensis. Donc, je vous rappelle qu'Homo heidelbergensis, tout à l'heure, dans le premier arbre phylogénétique que je vous ai montré, je vous l'ai présenté comme un ancêtre commun possible d'Homo sapiens et des Néandertaliens ou des Denisoviens. Et c'est comme ça qu'il est toujours conçu par beaucoup de mes collègues. Alors, en fait, quand on regarde ce genre de schéma, on voit très bien que les deux Homo heidelbergensis qui sont représentés là sont en fait assez proches de ce qu'on observe chez les Néandertaliens en termes de morphologie, et ne représente pas un ancêtre très plausible, si je peux dire, pour les Homo sapiens. Donc, en gros, ils font de bons candidats pour l'ancêtre des Néandertaliens, mais pas de bons candidats pour l'ancêtre de l'Homo sapiens. Et cette position d'ancêtre commun, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est de plus en plus remis en cause. Et, en tout cas, dans notre équipe, mais aussi en dehors de notre équipe, eh bien, on a tendance aujourd'hui à regarder ces Homo heidelbergensis plutôt comme quelque chose qui est déjà proche de ce rameau eurasiatique qui va donner les Néandertaliens et les Denisoviens et qui est séparé de l'ancêtre d'Homo sapiens. Alors, l'ancêtre commun d'Homo sapiens et de ce rameau, c'est quelque chose qu'il faut probablement aller chercher beaucoup plus loin dans le temps, avec un point de coalescence qui nous est donné par la paléogénétique et qui est plutôt autour de 600 ou 700 000 ans. Donc il existe certainement en Afrique, entre, disons, les hommes de Jebel Erhoud et 600 000 ans, des formes qui sont des formes ancestrales de notre espèce et qui sont distinctes de ces Homo heidelbergensis. Et ça pose la question, justement, de l'interprétation du matériel qu'on a en Afrique à cette époque-là, et en particulier des fossiles qu'on vous a montrés tout à l'heure, venant de Casablanca ou d'ailleurs en Afrique à cette époque. Et ça pose aussi le problème de la présence d'Homo heidelbergensis en Afrique, puisqu'on a quand même deux crânes d'Homo heidelbergensis qui ont été trouvés en Afrique de l'Est. Et évidemment, c'est un scénario qui paraît pas très parcimonieux, mais en tout cas, c'est celui à moi qui me paraît le seul, pour l'instant, réaliste. C'est que peut-être qu'il y a un groupe d'hominines du Pléistocène moyen, probablement d'origine eurasiatique, mais qui est revenu en Afrique et qui explique la présence de ces formes, en tout cas en Afrique de l'Est, avec l'homme de Bodo, et puis en Zambie avec l'homme de Kabwe. Mais à nouveau, ça va poser la question de savoir si en Afrique, on n'a pas en fait deux groupes, hein, ces immigrants eurasiatiques, et puis les vrais ancêtres d'Homo sapiens. Donc ça, c'est vraiment une question qui s'ouvre à nous pour les années à venir. Alors, maintenant, pour revenir à Homo sapiens, évidemment, ces découvertes de Jebel Erhoud ont remis en cause l'idée qu'on a une source est-africaine. Je me garde bien de vous dire que l'homme moderne est né au Maroc. Je pense qu'on a eu la chance de trouver les formes les plus anciennes au Maroc, mais vous savez, Pléistocène moyen, la frontière du Maroc ou d'ailleurs de n'importe quel autre pays africain n'avait pas beaucoup d'importance. Et donc, je pense que tôt ou tard, on trouvera des formes similaires ailleurs. On a, autour de 300 000 ans ou juste après,
deux autres fossiles qui ont été découverts en Afrique et qui sont, au point de vue chronologique en tout cas, associés à ce Middle Stone Age ancien dont va vous parler Shannon McFerron dans quelques instants. On pense en tout cas que vers 300 000 ans, on a déjà une présence de ces Homo sapiens, pas seulement en Afrique du Nord, mais probablement déjà dans d'autres régions d'Afrique, et c'est quelque chose qui nous reste à découvrir. Alors, quelque chose qui est de plus en plus discuté, c'est la possibilité qu'on ait en fait une émergence à l'échelle de l'ensemble du continent de ce qu'on appelle des Homo sapiens modernes, c'est-à-dire les descendants de ces hommes comme ceux de Jebel Irhoud, avec des évolutions locales de populations qui chacune auraient contribué à cette élaboration de notre espèce. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière ce modèle ? Eh bien, on met en avant surtout le fait qu'on a en Afrique des alternances de périodes arides, dans lesquelles les déserts s'étendent énormément, et de périodes, au contraire, plus humides, pendant lesquelles le Sahara, en particulier, disparaît en tant que désert et où s'étendent de vastes savanes avec un réseau fluviatile et des lacs très importants. Et donc, des populations d'Homo sapiens anciens qui sont tantôt séparées les unes des autres, tantôt mises en connexion, et quand elles sont mises en connexion géographiquement, avec la possibilité qu'il y ait des échanges génétique, donc des mutations avantageuses qui soient héritées d'un groupe à l'autre, ou des innovations techniques qui passent d'un groupe à l'autre pendant ce long Middle Stone Age. Alors, c'est un modèle qui a été formalisé par un certain nombre de chercheurs qui imaginent une espèce de multirégionalisme pour expliquer l'origine d'Homo sapiens, mais de multirégionalisme à l'échelle de l'Afrique, hein, non pas à l'échelle de l'Ancien Monde. Bon, je pense que pour l'instant, il est assez difficile de prouver un modèle comme ça, essentiellement par manque de matériel paléontologique qui permettrait notamment d'identifier des continuités de population dans certaines régions d'Afrique. Alors, il y a un dernier point, je suis un peu au-delà de mon temps de parole déjà, mais il y a un dernier point sur lequel je voudrais insister, et qui me paraît important et qui est apparu dans ces études, c'est cette question de l'évolution de l'encéphale entre des formes primitives d'Homo sapiens, comme Jebel Irhoud, et puis les hommes actuels. Alors, avec mes collègues Simon Neubauer et Philippe Gunz, nous avons repris cette question de la morphométrie de l'encéphale pour essayer de comprendre ce qui se passait. En gros, la différence entre l'encéphale des hommes de Jebel Irhoud et le vôtre, c'est que le vôtre est beaucoup plus globulaire. En gros, il est beaucoup plus arrondi, beaucoup plus élevé, et vous n'avez pas cette forme allongée et basse du cerveau qu'on trouve chez les formes primitives. Quand on regarde dans le détail de ce qui se passe, au point de vue changement de forme, eh bien, on voit qu'entre les Homo erectus, les néandertaliens et des Homo sapiens primitifs, ce qu'on a essentiellement, c'est un changement de taille, et c'est ce qui se passe le long de cette première composante principale. Donc, on a des cerveaux de plus en plus grands. Lorsque les représentants de notre espèce ont acquis une taille du cerveau qui est à peu près comparable à celle des hommes actuels, voyez que toute cette série de polygones bleus qui représentent des Homo sapiens d'âge différent, eh bien, part dans une direction complètement opposée du point de vue de la forme. Et donc, ce n'est plus un changement uniquement de taille, mais c'est justement la mise en place de cette forme beaucoup plus globulaire du cerveau. Et en particulier, quand on regarde dans le détail des changements de forme, on voit qu'il y a des changements dans les zones préfrontales, etc. Mais une zone qui est une zone absolument critique, c'est la zone du cervelet, où on voit le cervelet qui se développe énormément dans les Homo sapiens les plus récents, par rapport à ce qui existe chez pratiquement tous les autres hominines
fossiles. Et c'est à peu près, disons, entre 100 000 ans et 50 000 ans qu'on commence à trouver des individus dans le registre fossile qui rentrent dans la variation actuelle qui est représentée ici. Alors, ce cervelet, c'est une partie du cerveau qu'on a, si je peux dire, un peu négligée, hein, longtemps. C'est une partie du cerveau qui est utilisée dans la coordination motrice. Hein, donc, c'était important, mais on s'intéressait surtout au cortex, au néocortex, pour comprendre la mise en place de capacités cognitives très élevées. En fait, on se rend compte aujourd'hui que le cervelet, qui comporte plus de la moitié de nos neurones, en fait, hein, est impliqué dans de nombreuses tâches cognitives, en particulier dans la production du langage et même dans les interactions sociales entre les individus. Il y a des données expérimentales qui montrent ça, alors chez des souris, mais les souris aussi ont un cervelet, et qui est aussi impliqué dans les circuits de récompense, hein, du cerveau en fonction des situations relationnelles. Et il y a un certain nombre de travaux qui ont été publiés récemment, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là par manque de temps, mais qui mettent l'accent sur l'importance de des mutations qui ont affecté cette partie du cerveau dans son développement au cours de l'évolution récente de notre espèce. Voilà, pour terminer, je voudrais remercier tous les membres de l'équipe de Djebel Iroud et mes collègues qui ont participé à un certain nombre d'études que je vous ai montrées aujourd'hui. Merci. Thank you.